On veut aller capturer Valtor. On pense qu'il est très affaibli. Et avec l'aide des étoiles d'eau, on devrait pouvoir l'anéantir. Mesdemoiselles, il est peut-être très affaibli, mais il a toujours en sa possession tous les sorts qu'il a volés. Madame Faragonda, on peut y arriver. Un tyran tel que Valtor peut devenir très cruel s'il se sent coincé. C'est beaucoup trop dangereux. Je suis devenu invincible! Ce n'est pas l'impression que tu donnes, mon cher. C'est vrai, sans vouloir te vexer, Valtor, mais les étoiles d'eau ont eu raison de ta cible invincible. Peut-être que tu aurais besoin de te procurer quelques nouveaux sortilèges et essayer de les développer un peu. Oui, un sort qui te permettrait d'être plus fier sur le plan de la magie. Oh, silence! Je suis Valtor, c'est moi le plus grand sorcier de tout l'univers magique. Comment osez-vous me défier? C'est bon, tu as raison, calme-toi. Oui, bien entendu, on va te laisser mettre au point ton plan que tu complotes. Hein. Si tu as besoin de nous, tu n'as qu'à crier. Ben ça alors, vous avez vu ça? C'est horrible. Quand je pense que j'ai pu craquer pour lui. Il faut le reconnaître, les filles, on a toujours eu très mauvais goût en matière de garçons. On a toujours eu le chic pour tomber sur des perdants. Non, je ne suis pas un perdant. Je vais vous montrer qui sont les perdants. Tous ceux de ma Gilles vont regretter le jour où ils ont osé me défier. Je fais appel au plus grand sortilège de l'univers. Je vais les réduire au néant grâce au sortilège des éléments, le feu, l'eau, le vent et la terre. Exécutez mes ordres! Et alors, c'est tout? Non, ce n'est pas tout, vous allez voir. Que l'eau se déverse sur la tour nuage. Que le vent souffle sur la fontaine rouge. Que le feu ravage Alphéa. Et que la terre se craquelle à Magix. Dites-moi maintenant qui est le perdant. Une multitude de tornades vient de s'abattre sur l'école. Si on ne réagit pas, les rafales de vent vont tout détruire sur leur passage. Attendez, j'ai un appel de Madame Griffin et je vais mettre la téléconférence. Nous sommes assaillis par des trompes d'eau de tous côtés. C'est un véritable déluge. Il y a un message de Magix annonçant qu'il y a eu un tremblement de terre. Les immeubles sont en train de s'écrouler. Et que se passe-t-il à Alphéa? Il y a le feu. La forêt est en flammes. Tous les arbres sont en train d'agoniser. Je les entends crier. On est cernés par le feu. Allons-y. Éteins-toi tout de suite. C'est vraiment insupportable, leurs cris sont épouvantables. Je vais arrêter ça. Enchantis. Enchantis, dans ta poussière magique, c'est le pouvoir suprême. Enchantis, aile de lumière, super pouvoir d'Héroïs. Je vais concentrer toute cette averse sur les arbres. S'il y a de la magie noire dans cet incendie, rien ne peut le maîtriser. Mais rien ne se consume. Les arbres sont en flammes, mais ils ne sont pas calcinés. Ce qui signifie qu'ils vont continuer à brûler éternellement.
Oui, bien sûr. Le vent est en train de dévaster la fontaine rouge. Des torrents de pluie inondent la tour nuage. Magix est en train de s'écrouler sous la puissance du tremblement de terre. Nous sommes sur le point d'être dévorés par les flammes éternelles. Oui, nous devons le neutraliser ou il va finir par tout détruire. Allez-y, mesdemoiselles. Sauvez Magix, sauvez-nous tous. Je vais régler l'approche finale. Tornade 1, vas-y. Tornade 2, vas-y. Tornade 3. Bonne chance à tous les trois. Timmy, c'est bon, la voie est libre. Bien reçu, Sky. Fais-le exploser maintenant. Ça y est, nous avons réussi, les gars. Ça, c'est génial. Oh non. Oh non. Puisque j'arrive à percevoir les flammes du dragon de Valtor, vous allez me suivre. Regardez, même la barrière n'empêche pas les flammes de passer. Dans peu de temps, toute l'école sera en feu. Il faut qu'on y aille. Et dire que j'étais très embêtée parce que j'avais oublié mon maillot. Tu crois que c'est le moment de faire de l'esprit? Comme si tu ne la connaissais pas à force. Si, mais plus on est dans le pétrin, et plus elle s'amuse à faire de l'humour. Dans ce cas, elle peut commencer à chercher des répliques un peu plus drôles, parce qu'on va entrer là-dedans. Mais là-dedans, où ça? Tu vois bien qu'il n'y a rien. Peut-être que si. Je le sens. Je sais qu'il y est. Allons-y. Mais... Vous m'avez trouvé, je vous attendais. Ça suffit, Valtor, qu'on en finisse. Tu as raison, j'imagine que vous avez les étoiles d'eau avec vous et je ne peux pas me battre quand elles sont présentes. Elles vont me renvoyer dans la dimension Oméga. Est-ce que vous savez comment c'est là-bas? Est-ce que vous savez à quel point c'est horrible? Oh, pas de ça, arrête! Tous ceux qui essaient de détruire le monde ne devraient jamais se plaindre d'une petite condamnation éternelle. Il y a quelque chose d'anormal. Qu'est-ce que c'est? Le seul feu de dragon que je sens se trouve en réalité derrière moi. Tu as peur. Mais Valtor est devant toi. À moins que... À moins que ce soit la fin pour toi, Bloom, et non pour moi. Ce n'est pas lui, c'est un piège. Et regardez, on se trouve sous le lit du lac. Il faut partir si on ne veut pas être enseveli. Ah, poussez-vous. Vite, dépêchez-vous. Le passage est en train de devenir de plus en plus étroit. Miniaturisation. Dépêche-toi, Bloom! Le passage se rétrécit! Oh, mais c'est vrai, mes pouvoirs magiques sont encore incomplets! Je ne sais pas si je vais réussir à me miniaturiser! Vous me cherchiez? Oui, et cette fois, notre combat se fera sans aucune pitié! D'accord, sans aucune pitié! L'effet de rebond. Et aussi l'effet multiplicateur. Faites attention, les filles. Attrapons-le. Ce n'est même pas la peine d'y penser.
Bravo, bien visé, Bloom. Mais il va falloir que tu te passes des étoiles d'eau. Il n'y a que toi et moi, feu contre feu. Exactement. Maintenant, voyons qui est le plus fort. Des abeilles de feu. Le pouvoir de l'énergie. Je suis là, Bloom. Onde de projection. Pouvoir de l'incandescence. Pouvoir du soleil. Il faut former un carré de convergence. Vous ne pouvez pas m'attraper. Ça, c'est ce que tu crois. Et maintenant, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Libérer les étoiles d'eau? Tu as tout compris. Trouver le feu du dragon. Ceci appartenait aux sorciers de l'Antiquité, qui ont été les premiers à bannir les étoiles d'eau de l'univers magique. Non! À présent, je peux contrôler le pouvoir des étoiles d'eau. Oh. Ce qui signifie que vous, les fées, vous êtes finis. Valtor, ne crois pas que tu vas te débarrasser de nous. On se battra jusqu'au bout. Tant qu'il restera un petit peu d'énergie dans nos corps, nous continuerons à t'affronter. Tu sais très bien que tu ne peux plus rien contre moi. Les étoiles d'eau font souffrir, hein, Bloom? Oui, mais les étoiles d'eau n'ont aucun effet sur moi. Elles n'ont aucun effet sur moi non plus. Avancez, les filles! Nous devons protéger Bloom! Idiote, vous ne pourrez pas m'arrêter avec vos piètres pouvoirs! Les filles, vous ne pourrez pas le maîtriser très longtemps! Je t'assure qu'on peut! Non! Ton bouclier est en train de s'affaiblir et si tu continues à t'en servir, tu vas épuiser tous tes pouvoirs! Et alors il va toutes nous anéantir! C'est moi seule qui dois l'affronter! Non, tu ne vas pas y arriver! Tu ne peux pas prendre un tel risque! J'ai un plan, mais j'ai besoin que vous restiez à côté sans intervenir jusqu'à ce que je vous fasse signe, d'accord? Mais Bloom! Laissez tomber le bouclier! C'est peut-être notre toute dernière chance! Bloom, tu es intelligente! Viens qu'on en finisse! Tu te sens prête, Bloom, à rejoindre les profondeurs de l'oubli? C'est dans cet endroit que j'ai envoyé tes chers parents. La poussière de fée ne peut pas m'arrêter, ni même les étoiles d'eau. Je ne suis pas un sortilège de magie noire. Un accompagnement approprié à ta disparition. Il faut que j'intervienne. Non, attends. Mais on doit faire confiance à Bloom et se dire qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Mais si ce n'est pas le cas... Et ainsi, la dernière héritière vivante du trône de Domino va disparaître pour toujours. Regardez! Le coffret! Maintenant... J'ai compris, Bloom. À présent, je vais m'occuper de vous. Avant de commencer à nous affronter, tu devrais jeter un œil sur ton coffret. J'ai l'impression qu'il a des fuites. Il a quoi? Non! Peut-être que la poussière de fée n'a eu aucun effet sur toi, mais elle a détruit et libéré toute ta réserve de sort. Non, pas ça! Le sort de l'Espéra! Le soleil de Solaria! Non! Les Trix, venez vivre, j'ai besoin de vous! Venez m'aider à les récupérer! Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai l'impression que Valtor s'est fait avoir comme un débutant. Je n'arrive pas à croire qu'il se soit fait blouser. Et voilà, tout est fini. Non, tous mes sortilèges. Non, non. Tous les pouvoirs que j'avais amassés, non. Non. Non, non, pas ça. Pas le pouvoir des éléments. C'est le sort le plus puissant de l'univers. Non, je ne peux pas le perdre, sinon tout est fini. Oh, vent, feu, terre, revenez à moi. On ne peut pas laisser ces tornades détruire notre école. Si elle tombe, on tombe avec elle. Oh, elles se sont volatilisées! C'est elles qui ont eu peur de nous! Je sais qu'on est très fort, mais à ce point-là, mon vieux... Vite, venez par ici, mademoiselle!
Il n'y a plus aucune sortie! Dépêchez-vous, prenez-moi la main. Je vais former une bulle autour de nous. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Vous avez raison, le feu est en train de s'arrêter. Oh, quelle horreur! Mon école est en train de se transformer en fontaine! De se passer? Valtor a rappelé le sortilège des éléments. Le tremblement de terre a cessé. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Toute l'eau est en train de retourner dans le lit du lac. Il faut qu'on parte d'ici tout de suite. Vite, attrapez-les! Attrape-les toi-même, je ne veux pas me noyer. Mais qu'est-ce qui vous prend? Revenez ici tout de suite! J'aurais aimé qu'on ait un peu plus de temps pour discuter de ça, mais je vais aller droit au but. Tout est terminé entre nous. Ouais, un de ces jours perdant. C'est ça, allez, adieu. Non, non! Faites vite, il faut qu'on sorte! Tous les sorts sont retournés dans leur monde. Nous allons devoir apprendre à nous habituer à l'uniformité, hein? Nous sommes à l'opposé de nouveau. Vive la différence! On est en vie! Nous avons réussi! Bloom, tu t'es montrée très courageuse en affrontant les étoiles d'eau. Courageuse et ingénieuse, mais tu m'as flanqué une peur bleue. Comme si on avait pu douter une seule seconde qu'elle n'arriverait pas à dominer Valtor. Tu ne recommenceras plus. Juré! Je t'adore! Merci beaucoup, les filles. On dirait que les tricks sont au bout du rouleau. Les filles, si ça ne vous ennuie pas, on voudrait pouvoir s'occuper d'elles. Allez-y, je vous en prie. Il s'est passé un sacré bout de temps depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Non, pas ça, pas les pâturages ni les papillons. On va encore avoir droit aux fleurs et aux berceuses. Je vous en supplie, tout ce que vous voulez, mais pas Rocalus. Vous auriez dû penser aux conséquences avant de partir rejoindre Valtor. Au revoir, à la prochaine fois, Bloom. Oui, tu crois qu'il y aura une prochaine fois? C'est ce que disent les astres. N'allais-tu bien? Mon petit cœur, je suis tellement content que tu ailles bien. Moi aussi, mon nounours adoré. Allez, tous ensemble, et pipi pourra. Oui, je suis. Bloom, si tu savais comme je suis soulagée de voir que tu vas bien et que Valtor soit parti. Sky, je ne suis pas sûre qu'il soit vraiment parti. Pourquoi, Bloom? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh, eh bien... Je n'en sais rien, c'est peut-être mon imagination.
Allez, viens, allons faire la fête. Ce silence me glace le sang. La plupart des animaux sauvages ont dû déserter la forêt en feu. Et je suis certaine que d'autres ont encore peur de quitter leur tanière. Visiblement, le feu magique de Valtor a été vraiment dévastateur. La forêt des bois verts est particulièrement inhospitalière dans cet état. Tout semble calciné. C'est épouvantable. Courage, Flora. Souris. Faraganda compte sur nous. Si on fusionne la magie du fluide vital à l'énergie de la nature, je suis sûre que la végétation de la forêt va repousser en un rien de temps. Alors, Layla, est-ce que tu te sens prête pour la convergence? C'est quand tu veux. Convergence! Sève, pour Préau, redonnez vie à la forêt des bois verts! Oui, on a réussi! La forêt des bois verts est sauvée! Je n'arrive pas à y croire, elle est encore plus belle que la première fois! Oui, reste à savoir si les animaux vont être d'accord avec toi. On ne va pas tarder à le savoir, allons-y! J'ai vraiment eu l'impression que tout était fini et perdu. Et au contraire, petit à petit, tout semble rentrer dans l'ordre et redevenir normal. L'attaque de Valtor a eu un résultat plus dévastateur qu'on ne pensait. La reconstruction de la cité ne sera pas très rapide. Le tremblement de terre a causé beaucoup de dégâts à Magix. Et je crois que les Wings ont encore beaucoup à faire. J'en conviens, mais je tiens à souligner leur courage et leur ténacité. Elles ont bien du mérite. Arriver à vaincre la menace de Valtor était une entreprise difficile et désespérée, mais par chance, Bloom et les autres ont su se montrer à la hauteur. Valtor, je sais que tu as survécu. Tu ne peux pas me duper. Nous avons le même pouvoir, la flamme du dragon. Et je la sens encore brûler en toi. Où es-tu? Qu'est-ce que tu complotes? Bloom? Est-ce que tout va bien, Bloom? Oh, Madame Faraganda, je ne vous avais pas entendu arriver. Quelque chose ne va pas. Oh non, je n'ai rien, j'ai juste la sensation que... Tu sens la présence de Valtor, n'est-ce pas? Oui, je la sens, mais je ne voudrais pas tous vous alarmer inutilement. Ah, Bloom, écoute-moi. Je sais qu'il t'est difficile de l'admettre, mais si tu sens encore sa présence, alors dans ce cas, ça ne fait aucun doute, Valtor est en vie. Regarde, il y a un homme juste en dessous, on dirait qu'il est encore en vie. Je préviens les autres. On arrive, Brandon. Aidez-moi. Accroche-toi, tiens encore un peu et je vais te libérer. Pathétique. Non, c'est impossible! Je ne peux pas croire que Valtor ait réussi à survivre! Il y a autre chose. Nous avons lutté de toutes nos forces. Mais Valtor nous a terrassés sans aucun effort. Après, la suite est un peu plus floue. Je me souviens d'avoir perdu connaissance, et quand j'ai repris conscience, Valtor m'a dit... Estime-toi heureux, c'est toi le plus chanceux. Tes petits camarades sont mes prisonniers. Tandis que toi, tu vas m'écouter bien gentiment et tu vas me servir de messager. Retourne immédiatement à Alphéa et dis aux Wings que je les attends à Andros et qu'elles feraient bien de se dépêcher si elles tiennent à revoir leurs petits amis en vie. Oh, je trouve que cette invitation ressemble plutôt à un traquenard. Oui, mais on est obligé de s'y rendre. Nos petits amis courent un très grave danger. J'admire beaucoup votre détermination, mademoiselle, mais vous devez rester très prudente. Le destin des spécialistes ainsi que celui de la dimension magique se trouve entre vos mains. Je ne comprends pas. Je ne relève rien d'anormal sur l'atoll du portail d'Omega. Mais c'est impossible, Naboo. Valtor se trouve forcément sur l'île d'Andros, il a été très clair à ce sujet.
Tu es sûr et certain de ne pas t'être trompé, Naboo? Il se peut que le scanner ne fonctionne pas parce que son ancienne planque était là, au centre de l'île. J'ai beau continuer, je ne reçois aucune émission d'énergie vitale. Je t'assure que cette île est inhabitée. Il faut aller vérifier pour en avoir le cœur net. Vous pouvez me croire, les filles, il n'y a personne sur... C'est vrai, tout porte à croire qu'il n'y a personne ici. Oui, mais alors je ne comprends pas pourquoi il nous a fait venir ici dans ce cas. Attendez, Valtor est tout prêt, je le sens. Valtor, montre-toi, on est venu comme tu nous l'as demandé, alors libère les spécialistes maintenant! C'est moi qui fixe les règles ici. Voyons comment vous vous défendez face aux éléments. On a déjà réussi à te vaincre une fois, on peut recommencer! Et définitivement! Tu me sous-estimes, tout comme Auritel! Oh, Timmy! Oh, on est avec toi, Tetna! Oh non! Je vais me débrouiller, les autres ont besoin de vous! Il faut qu'on se disperse! Valtor est dans les profondeurs de l'île! Je vais aller le retrouver! Wings Enchantix! Enchantix! Dans ta poussière magique! C'est le pouvoir suprême! J'ai l'impression qu'on est en train de tourner en rond. Et pas l'ombre d'un Valtor en vue. Vous savez où va nous mener ce souterrain? Je suis sûr que c'est ici qu'ils enfermaient tous les criminels avant que le portail Oméga soit créé. Mais c'est horrible! Vous avez entendu? Ça vient de ce côté!
C'est curieux, Timmy était... Wings enchantis. Essence qui se déchaîne, poussière venue des fées, pouvoir de l'enchantis, aile de lumière, super pouvoir des Wings enchantis. Timmy. Oh non! Oh non, c'est pas lui! Oh. Ah. Parfait! Oh. Ah. Riven! Magie noire de Valtor. Il a résisté à ma meilleure attaque. Cette magie n'a aucun effet sur lui. Oh. Ah. Ah. Oh. Allez. Résonance de base. Oh. Lâche-moi! Lâche-moi! Tempête électrique! Tout se déroule à merveille. On y va! Ça ne sert à rien de continuer à le combattre. Le seul moyen de le rendre totalement inoffensif, c'est d'attaquer celui qui le contrôle. Fureur du dragon, trouve Valtor et frappe-le! Ça y est, il s'est arrêté. Ça a marché, je crois que mon pouvoir magique a frappé Valtor. J'allais y rester, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Valtor! Valtor! Qui êtes-vous? Qu'attendez-vous de moi? Tu nous as déjà oublié, Valtor! C'est très contrariant! Ça suffit maintenant, montrez-vous! Vous êtes les trois ancêtres? Alors c'est toi qui donnes les ordres maintenant. Tu nous as énormément déçus, Valtor. La flamme du dragon se languit de toi. Et l'heure est venue maintenant de retourner d'où tu viens. Jamais. Vous m'avez fait naître de cette flamme. Et que ça vous plaise ou non, maintenant et pour l'éternité, je resterai Valtor. Je suis invincible. Vous ne me ferez pas retourner d'où je viens. Comment osez-vous? Des limbes d'où nous sommes exilés, nous ne pouvons pas interférer sur le monde extérieur. Mais rien ne peut nous empêcher d'agir sur toi, puisque tu es des nôtres, Valtor. C'est le sort réservé à ceux qui échouent. Non,
Mais qu'est-ce qui vous prend? Tu as perdu tes pouvoirs. Tu les as gaspillés pour assouvir ta soif de vengeance. À présent, c'est à nous de prendre notre revanche. Ah, l'heure a sonné maintenant. Tu réclames la restitution de tes pouvoirs. La haine, la fureur, la destruction. Reprends et assume ta forme originelle. Que tu ne pourras plus jamais abandonner. Lève-toi, Valtor, et suis ton destin. Franchis le portail. Détruis la dimension magique. Où crois-tu pouvoir aller? Tout est fini, Valtor. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Tige de lierre très vigoureuse. Tu penses que tu pourras m'arrêter? Oui, si j'ajoute ça en plus. Ceinture magique de plasma. Je te tiens, tu peux leur faire tes adieux. Toi. Et nous sommes toutes là. Convergence, étoile du matin, réfléchis ta clarté sur Valtor. Tout ça pour ça. Et alors, maintenant, on fait quoi? Moi, j'ai une idée. Il s'agit d'un sort que j'ai appris à Pyrrhos, l'île du dragon. Mais pour qu'il puisse fonctionner, je vais avoir besoin de votre aide pour le distraire afin que je me concentre. Les garçons! On ne vous a pas trop manqué? Vous êtes sains et saufs? Pas pour très longtemps. Pouvoir de la flamme, pas retrouver Valtor! Bloom! Bloom! Oh, attention à toi! Non! Oh. La flamme du dragon! Non! Non! J'ai enfin réussi à le faire! Le sort a fonctionné! Voici l'essence de Valtor, la flamme du dragon! Que celle-ci s'éteigne et te neutralise jusqu'à la fin des temps! Énergie du dragon! Bloom, réponds-moi, s'il te plaît! Elle ne peut pas, Sky, elle est en train de se battre pour nous sauver maintenant! Merci, Bloom, j'ai vraiment eu chaud. Valtor! Tu as fait preuve de courage en venant ici, je te le concède, mais qu'est-ce que tu espérais obtenir en agissant de la sorte, hein? Eh bien, tu ne vas pas tarder à le découvrir! Approche-toi, viens donc me combattre et laisse sortir ta colère, mais n'oublie pas que ça ne ramènera pas à la vie tes très chers parents. Tais-toi, tu n'es au courant de rien, tu ne sais rien sur eux! Oh si, bien au contraire, je t'ai souvent menti dans le passé, et je comprends que tu ne me crois pas, mais ce sont les trois ancêtres qui sont responsables de la disparition d'Auritel et de Marion, et c'est sur elles que tu devrais concentrer ta colère. Je te propose d'unir nos forces. Ainsi, je récupérerai le contrôle de mon corps et nous combattrons les trois ancêtres ensemble. Le pouvoir, la connaissance magique de chaque planète sera finalement à nous. Nous sommes semblables, Bloom, il ne faut pas que tu l'oublies. Nous n'avons que notre pouvoir en commun, Valtor. Et une fois que j'aurai définitivement éteint ta flamme, il ne restera plus rien de toi. D'accord, je t'aurai offert une dernière possibilité. Maintenant, je vais t'anéantir. Poussière de fée, éteins la flamme du dragon. Elle nous a sauvés. Oui, elle s'est sacrifiée pour nous. Bravo, mademoiselle. Vous avez réussi là où même la compagnie de la lumière a échoué. Merci de nous avoir libérés des ténèbres. Oh.
Tes pouvoirs Enchantix ne sont pas encore complets, mais ceci étant, ça ne devrait pas être un obstacle insurmontable pour passer l'examen final. Parce que j'ai confiance en toi, Bloom. Je sais que tu es fin prête et que tu sauras briser le sort maléfique des ancêtres et que tu réussiras à retrouver tes parents. Oui, j'en suis tout à fait capable. Maman, papa, je sens qu'on va bientôt se retrouver. La vie